Le troisième arrondissement, rue Forez, qui est vraiment une toute petite rue cachée, je vous emmène dans un café 100% bio, le café Pinson, qui est tenu par Agathe. Tu m'attends comme... Bienvenue. Bienvenue, Julien. Merci. Dis-moi, tu nous as dessiné des cœurs de bienvenue sur le sol. C'est exactement ça, c'est extrêmement kitsch, mais c'est exactement ça. Bienvenue. Mais merci. Explique-nous un petit peu ton concept. Donc, tous les plats sont véganes et tous les jours, en fait, tu changes. Tous les jours, et tu ça as accès change. À un, exactement. Un menu on a, différent. On a une soupe du jour, une entrée du jour, une assiette du jour. Donc ça, c'est le salé. Là, tu as tout le sucré. Ouais. Donc dans voilà, le salé, quasiment tout est vegan. Beaucoup plus de sucré que de salé. Un petit peu plus pas de sucré. Du tout. Voilà. Pas du tout. Parce qu'on est ouvert en fait toute la journée, donc du coup on a effectivement une offre de petit déjeuner, une offre de midi, l'après-midi pour le goûter, le 4h à la française, et le soir. Mon idée c'était vraiment de créer un endroit où on trouve une cuisine qui soit saine, d'accord. Et en même temps que ce soit coloré, que ce soit gourmand et que ce soit ouais. consistant, et dans ouais. un cadre plutôt voilà, sympa et décomplexé. Voilà, exactement. Alors Agathe, voilà. C'est vrai que c'est très coloré et ça donne envie. Alors explique-nous voilà, un petit peu. Donc ça c'est la soupe du jour, donc une soupe patate douce, potimarron, coco, avec des petites, avec du coco râpé qui est torréfié pour donner un petit coup de fouet au niveau coco. Le taboulet de millet. Ok. Donc plutôt que d'avoir du couscous de blé, en fait, on prend du millet, donc qui est super joli et qui a un petit croquant qui est très sympa. Et un risotto au riz complet avec un petit peu de champignons et de châtaignes. Voilà. Mais toi, tu n'es pas végétalienne. Alors moi, je suis. C'est un néologisme affreux qui s'appelle flexitarien. Donc c'est très très moche. Mais c'est en gros, je mange. Je suis flexitarienne. Oui. Je déteste rentrer dans les cases. Pour moi, c'est insupportable. C'est en fait que tu réduis ta consommation de viande, de produits animaux. Mais que tu t'autorises de temps en temps à manger un peu de viande si ton corps en a besoin. Et moi, je suis énormément mon corps, je suis énormément mes besoins. Et de temps en temps, je mange un peu de poisson, un peu de fruits de mer. Et je sens que ça me fait du bien. Et j'ai des périodes très longues où je suis totalement végétarienne. Donc c'est très variable. Et je pense que c'est très variable. C'est vrai que c'est important d'écouter ton corps. Ouais. Ouais, et par moments, j'ai envie de viande. J'ai besoin d'un steak. Je pense que la protéine aussi te donne un bon coup de fouet. Parfois, t'as des personnes qui ont besoin de manger du cacao, du chocolat. Oui, et ça m'arrive aussi. Je pense que c'est comme pas mal de femmes. Et je pense que c'est simplement un besoin de magnésium, de fer, de calcium. Je sais pas, mais je pense que c'est très bien de voir comme ça. Oui, vrai que c'est très bien. Il me faut une plaquette de chocolat, là. Je suis en manque de magnésium. C'est très déculpabilisant. Agathe, raconte-nous un petit peu toutes tes misères. Ce sont des sacrées misères, oui, en effet. Donc c'est tu dur. Étais allergique aux produits laitiers. J'étais intolérante. Je suis toujours intolérante au blé et aux produits laitiers. Donc j'ai découvert ça il y a 8 ans, tout bêtement. En fait, les symptômes sont super variés. Moi, j'étais tout simplement ultra fatiguée. Avec l'impression, après un petit déj à la française, avec du pain, du beurre, etc., d'être dans un scaphandre, quoi, de plus pouvoir bouger, d'avoir aucune énergie. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin qui m'a dit « Écoute, essaye pendant 15 jours de complètement supprimer le blé. Tu réintroduis, tu vois ce que ça donne. Idem avec les produits laitiers. » Et honnêtement, j'ai vu, c'était incomparable. Quoi. Madeleine sans blé et sans beurre. Sans blé et sans beurre, exactement. Attends, on commence par ça. Avec de la farine de riz, tout simplement, et de la matière grasse. Simplement de l'amande, qui est très gras, de l'huile d'olive. Donc ça, ce sont des madeleines avec un cœur de cacao. Agathe, ça c'est un gâteau au chocolat sans quoi ?
Alors, ça c'est aux fèves de cacao cru. Et donc là, c'est vraiment, on a le goût de cacao très pur, très intense. Donc, il faut aimer le goût de cacao. c'est pas du chocolat au lait, clairement. Mais c'est très pur et très... et en même temps, en termes de texture, c'est... ça tombe par terre. C'est très intéressant parce que c'est très moelleux avec le beurre de cacao. Justement. C'est super moelleux, mais en même temps, c'est ultra croustillant. Et là aussi, hein, c'est encore très, très aéré. C'est tellement aéré que je vais tout terminer.